Hey, hey, hey. Me revoilà pour un nouvel épisode sur Disney Dreamlight Valley. Un peu tristoun parce que je devrais être en train de faire une randonnée et que je suis un boulet. Donc, j'ai pas été à la bonne adresse et du coup j'ai raté la randonnée. C'est pas grave. En attendant, on va pouvoir aller rencontrer Vaiana. C'est pas si bien, mais tant pis. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok pour voir davantage de contenu. Sur YouTube, toutes les rediffs sur TikTok, un extrait chaque jour des moments sympas de jeux auxquels j'ai joué précédemment. Et à part ça, dans le dernier épisode, on a fait la première partie des quêtes d'Ursula, qui impliquait d'aller piquer du papier aux gens. Même si finalement on l'a pas piqué parce qu'on a prévenu Merlin, je sais pas quoi. Et on doit collecter 10 000 trucs de fer et de plein de trucs. Donc voilà. On a de quoi faire. Et on va s'y mettre avec toujours ma jolie carotte à l'écran. Alors, je dois fabriquer pigments violets et fiole vide. Fiole vide, je sais le faire. Il me faut des lingots de fer. Je vais en faire deux. Une pièce de bricolage, c'est pas que pour Mickey, je devais en faire pour Willy, il me semble. Pour ça, il me faut pansement tombant et montant violet. Ok. Je vais réanalyser un petit peu les machins que j'ai à faire parce que. Bon, toi, je vais juste aller dans ton monde. Toi, il te faut des lingots de fer, mais j'ai pas encore débloqué la zone où je peux trouver l'argile, donc c'est pas prioritaire. Toi, il me faut 6 pièces de bricolage. Là, je suis en fabriquer 3 et c'est la seule chose qui me manque. Toi, il me faut des fleurs. Toi, je saurais pas le faire. Il faut 12 pièces de bricolage pour Oli. C'est énorme. Il faut que je fasse d'abord celui de Mickey. Attends, mais j'en ai 12? Comment j'en ai 12? J'en avais déjà fabriqué? Et tu me dis que j'en ai 3, pourquoi ça me dit que j'en ai 3? Attends, c'est pas clair là. Dans mon inventaire, c'est noté que j'en ai 12. Mais ça met que j'en ai que 3 sur 12 quand je regarde mes autres bazar. Que fais-tu? Je m'occupe juste de quelques orques dans le village. Mais tu sais déjà tout ça, tu es en train de courir partout pour acheter des épines nocturnes? Ou creuser les trous ou quoi que ce soit d'autre que tu fasses? Oh, quelle horreur, cet herbe au fond. J'aime juste aider les gens.
N'oublie pas que le reste des villageois aiment donner un coup de main. Je peux toujours nous demander de t'accompagner, nous t'aiderons à t'occuper de toutes les missions de Moonlight. Bien sûr, on sera beaucoup plus utile si c'est une chose pour laquelle on est doué. À très bientôt! Salut! Tu veux quoi toi aujourd'hui? Marguerite jaune, courgette. Ok. On se revoit vite! Donald. Toi, tu vas venir avec moi parce que je peux miner avec toi. Tu sembles nerveux. Mes amis ne cessent de dire que je suis un peu caractérisée, mais je comprends pas de quoi ils parlent. Qu'est-ce que toi tu fais quand t'es vraiment en colère? J'ai aucune raison particulière de poser cette question. Je médite, je tape dans un oreille. Le cri est gesticule à tous les sens. Moi aussi. Attends, est-ce que tu te moques de moi? La vérité, c'est que vraiment, quand je suis très en colère, je crie, je gesticule dans tous les sens. Yay! Je me fais emmerder par les mouches, c'est chiant. Rosace gothique beige, c'est un peu joli ça. Alors, on va prendre ce mot violet. Quoi toi, quelle marque, il se passe sur omelette au basilic. Ouais ça va, tu te fais pas tu te fais payer toi. Je voulais pas rentrer chez lui, je voulais lui parler. Il faut encore que je fabrique des pièces de bricolage. Je comprends pas pourquoi. C'est très agaçant. Et niveau 3 avec Donald. Je trouve que ça avait une couleur un peu spéciale. Laissez-moi tranquille, mouche. Bonjour, mon ami. Comment ça va? Est-ce que tu aimes gérer ton stand? Tu sais ce que je préfère dans mon stand? C'est de passer la journée à parler aux gens. À quel village préfères-tu parler? Tipopette, j'aime passer du temps avec tout le monde. Mais tu peux garder un secret? Oui. Et je vais choisir un chouchou, ce serait toi. Oh, trop mignon. Contente de voir. Tu veux quoi, toi? Egg Marine, carrément,
plus. Hola. Essaie de me connaître. Pose-moi n'importe quelle question. As-tu des sœurs? Oui. Est-ce que vous entendez? Oui. C'est super, je me suis toujours entendue avec ma sœur Rita. Isabella, d'un autre côté, nous avons une relation mouvementée pendant longtemps, mais nous entendons bien maintenant. Au revoir. Contente que tu sois là. J'ai une petite sœur que j'aime. Tiens, ils veulent tous des trucs à coucher dehors, en fait. Adios. Salut. Bon, pour le moment, j'ai rien qui implique de la bouffe. Je vais vendre tout ça. C'est chouette. Qui me chatouille de ma chaussette. Alors, les penses de mon violet. J'aimerais que tous mes amis puissent voir cet endroit. Ah putain, c'était une jaune que tu voulais. Merci mon ami. Bah, pardon, j'ai pris une blanche. Salut. Ah, et c'est un pissenlit. Tiens, c'est quoi ces jaunes? À très bientôt. C'est un peu chiant le fait que quand j'ai pas de graines plantées, ça me nique toutes mes cultures. Ça c'est qu'il n'y a aucune fleur. Ah, j'en ai une. Deux. On faut 6, je crois. 3. 4. Et 5. Et j'en ai encore une, je suis tranquille. Et 6. Ah putain, c'était 4. Merde. Du coup, il m'en faut encore. Attends, j'en ai combien là? Il me manque 3 montants, 2 tombants. Tiens, la pluie s'arrête. Ça me laisse pas violer. On est d'accord que ça c'est bleu. C'est embêtant. Bon. Je vais faire mes collectes de fer et de bois en haut. Je retourne mon chemin. Parce que c'est encore ça le plus chiant à récupérer. Thank you.
Quand je suis attentive au sol, j'arrive pas à être attentive au mieux. Dis, t'es censé m'aider, toi. J'aurais mieux fait de prendre ton oncle. Je vais regarder de loin si je vois des trucs là. Mais j'ai pas l'impression. Génial! Quelle belle matinée! Je vais me refaire un peu de pognon. Non mais ça c'est dégueulasse, ça va me faire... Dites... Non, mes grenades. Putain. C'est dégueulasse. Salut mon ami. Ça, je vais le laisser chez moi. Oh. À plus. Merci Donald. Thank you.
Ça, je crois que c'est ce qu'il me faut comme cadeau pour Mickey. J'ai l'impression de voir encore des postes. Mmh. On va pêcher un peu. Hop, retour à la maison. Amplificateur de Green Light. Voilà. Avec ça. Bonjour. Avec ça, je devrais pouvoir amener Mini. Je suis content de te voir. C'est apprécié, allons trouver Mini pour voir si ça marche. Merci, mon ami. Certes, elle est là-bas. Super, tu es là. Mini, tu as arrêté de disparaître, l'amplificateur oui fonctionne. Tu as raison, je suis là. Je suis... Oh là là, que je suis fatiguée, je me sens pas vraiment moi-même. C'est un peu comme s'il me manquait un ancrage, quelque chose qui me ramènerait pour de bon. Ah, j'ai l'impression d'avoir erré pendant des siècles. Je me suis jamais sentie aussi fatiguée, si seulement je pouvais m'allonger. Oui, ma... Je crois que j'avais une maison. Avec un lit dedans, un lit moelleux. Tu penses que tu pourrais ramener ma maison? Merci! Certainement, maintenant, est-ce que je sais la payer? Ça, je ne sais pas. J'avais où Mickey même pas venu. J'ai tant de merveilleux. Salut. Merci fatiguée, on doit ramener sa maison, mais elle a disparu il y a un moment. Je crois que tu peux utiliser ta magie pour ramener la maison de Mini. C'est une jolie maison rose avec des couleurs sur les fenêtres. À très bientôt. Je réfléchis surtout à est-ce que je saurais mettre sa maison à côté de celle de Mickey. Je trouve ça un peu logique. Attends. J'allais miner un peu par là. Pour faire de la place. Hop. Hop, tout ça dégage. Genre, enlever ça. Pour que je sache déplacer la maison de Mickey au besoin. Alors, si je fais ça.
Bon, c'est plus très logique en termes de chemin, mais on s'en fout. Hop. Ça, je vais réfléchir à ce que je vais en faire. Attends, c'est quel côté l'entrée? C'est là. Ok. Et du coup, l'arbre ici, je vais le mettre là. Bonjour. Alors, combien? Je promets que les constructions Picsou peuvent construire une maison parfaite pour notre mini. 5000, ça va. Wow. Tu ne regrettes pas cet investissement. Connaissant Mini, elle va l'adorer. Oui. J'espère que la fortune va te sourire. Voilà. Comme c'est son voisin, c'est très mignon. Et Mini a spawn. Bonjour Mini. Merci d'avoir ramené ma maison, je me sens beaucoup mieux maintenant. Mais ma tête est encore un peu embrouillée. Es-tu Mickey? Quoi? Non, moi c'est Lily. Ah, c'est chouette de te rencontrer, Lily. Mais il faut vraiment que je trouve Mickey. J'errais pendant si longtemps, et tout ce que je me souviens, c'est que je cherchais Mickey. Il était très important que je le retrouve. T'en fais pas, il est ici, et je dois lui parler. C'est gentil! Il est là. Oh, hey, tu veux discuter, mon ami? Nous avons ramené Mini, mais elle ne sait pas où elle est, ni qui elle est. Je vais passer du temps avec elle et voir si je peux lui faire retrouver la mémoire. Je pourrais peut-être aller parler à Merlin, il a peut-être... Il sait peut-être pourquoi elle a oublié des choses. Merci pour ton aide, ton amitié est inestimable. Bingo! J'ai même pas assisté à leur retrouvaille. Moi, j'attendais une scène mignonne de Mickey. Oh, Mini. Me voilà déçu. Et j'ai toujours pas de pansement de violet. Oh, es un hermoso día. Quel soleil. Certainement. J'en suis où? J'ai 9 pièces de bricolage. Est-ce que par hasard, j'ai des roches qui ont spawn dans la zone? Je sais pas, j'irai voir Mayana. Oh, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui! Merci Donald. Tu commences à être un peu utile. Sauf quand tu me fais rater 5 grenades parce que t'es dû me changer de niveau au mauvais moment. Je suis pas encore rentrée dans cette maison là. Tout à fait.
partirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Putain, je trouve plein d'aides pierres, mais je trouve pas. C'est cool. Mais je veux de. Je veux du minerai de fer, moi. Qu'est-ce que je voulais faire? J'avais un truc intelligent à faire dans mon inventaire, je sais plus quoi. J'ai oublié. J'aimerais bien arriver à lui filer des myrtilles à lui, mais... Ah! Il est assis. Putain, j'ai pas de myrtilles à lui donner. Oh non, mais pour une fois que je sais lui donner quelque chose, je ne sais pas lui donner. T'aimes pas les bananes, hein? Ben non. Mais pardon! Attends, reviens, j'ai des myrtilles. T'es où? Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. S'il te plaît, laisse-moi te donner des myrtilles. C'est quoi la technique pour que tu poses ton cul ? Toi, j'avais réussi, tu t'étais assis. Je suis là, je bouge pas, ok. Je crois que c'est ça le truc. C'est comme les tortues. Merci. Oui, je sais, c'est ce que tu préfères. Je vais t'adopter, je t'appellerai Meiko. Je me souviens que la jauge de raton laveur est plus haute à monter que... Autocollant pastèque. D'accord. C'est merveilleux. Tu as besoin d'acheter quelque chose ? Non, en vrai, je préfère vendre parce que j'aime bien avoir de l'argent. Pour le moment, il n'y a plus de minerai. J'ai juste pêché de quoi me faire plus de pognon. C'est une perche. Oh. Ah bah. Tiens, vas-y, viens avec moi. Comme ça, tu me fileras plus de poisson. Donald vient de se balancer par terre de rage. D'avoir été lâchement abandonné. Hop, 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 hop.
Oh, Donald, tu te calmes. Je crois que j'ai dit Mickey. Pas Mickey, c'est Donald. Très peu de poissons ici. Pam 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 pam. Tiens. Achète-moi mon poisson, achète-moi mon egg marine. La marguerite jaune, elle est pour Mickey. Les bananes, je m'en fous. Je m'en fous. Les émeraudes, je m'en fous. Ça, j'en ai besoin. Ok, tout le reste, j'en ai besoin. Oh. Je vais repasser à ma maison, poser les trucs que j'ai en trop. Et puis, nous irons... Putain, je veux des trucs violets, merde. Nous irons à la rencontre de Vaiana. Et Donald continue à péter les plombs. Pam 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 pam. T'apporter ce qu'on a demandé. Quand on prie de tout son cœur, il n'y a pas de bonheur qui ne soit bientôt une réalité. Cadeau, Marguerite. Et je suis niveau 17. Pam pam pam. Ça me fait péter, ça me fait un peu péter les plombs, cette musique. Mais bon. Allez. En route pour Mohanda. Je trouve que c'est pas la mieux faite, elle. Bonjour, je suis Vaiana de Motonui. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Je viens d'un endroit rappelé Dreamlight Valley. Ma vallée est envahie d'étranges épines sombres. J'ai besoin de ton aide. Tu dois y aller avec moi. Des problèmes de plantes, hein? Tu as mis en colère une déesse? C'est pour ça qu'on a eu un gros problème il n'y a pas si longtemps. J'ai l'impression que tu voudrais que je t'aide et j'aimerais beaucoup t'aider, mais j'ai des choses à faire. Je cherche des endroits poissonneux ou pêcher dans l'océan. À présent que mon peuple est à nouveau un peuple de voyageurs, nous pourrons trouver plus d'options pour pêcher. Si tu m'aides avec ça, alors je serai en mesure de trouver du temps pour t'aider. Bien sûr. Génial, on devrait commencer par réparer ma pirogue pour qu'elle soit prête pour un long voyage. Nous aurons besoin de bois et de feuilles tressées. Nous pourrions utiliser la soie. C'est un genre de tissu qui ferait une voile géniale. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout ça. Merci, une dernière chose. Des débris d'une tempête se sont échoués sur le récif. Ça pourra endommager la pirogue quand on partira. Mais je parie que Maui peut nous aider pour ce problème. Tu l'as vu, il doit pas être loin. Vous étiez en train de vous friter quand je suis arrivée, surtout. J'ai essayé tant de fois. J'ai beau dire je reste, je ne partirai pas, chacun de mes... Il m'appelle...
chanterai ça, que tout signe. C'est le vent doucement qui se lève et me réveille. Le bleu de l'eau, la nage de loin est toujours plus haut. Hey. C'est pas du tout mon genre de... Salut, Marie. Hey, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Laisse-moi deviner, tu es une nouvelle assistante de Vaiana, pas vrai? Ouais. J'imagine qu'elle t'a parlé de moi. Moi étant... Bah oui. Oui, on a besoin d'aide. Je suis une grande fan. Allez, je suis une grande fan. Je voudrais que Vaiana soit là. Voilà comment on accueille un demi-dieu. Mmh. Mais une grande fan saurait tous mes exploits légendaires. D'accord. Quand tu auras pris le temps d'apprendre mes hauts faits les plus héroïques, peut-être que je t'aiderai. Y'a pas de quoi. Mais je les connais, ces hauts faits, moi. J'ai pas besoin de Vaiana, je les connais. J'ai vu le film 3 fois. Laissez-moi gérer toute seule. Comment ça se passe avec Maui? Il a dit qu'il va me faire passer un test sur lui. Ah vraiment, ça lui ressemble. Bien, t'en fais pas, je te dirai tout sur Maui. Maui, métamorphe, demi-dieu du vent et de la mer, héros pour tous. N'oublie pas ce point-là. Il possède un hameçon magique qui lui permet de se transformer en différents animaux. On raconte de nombreuses histoires à son sujet, mais je crois qu'il en a une favorite. C'est la fois où il a planté des tripes d'anguilles et qu'un cocotier a poussé. Je pense que c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Tu es là? Super! Voyons l'étendue de tes connaissances à mon sujet. Sur mon sujet préféré, moi. Première question, quel est mon titre officiel? Maui, métamorphe, demi-dieu du vent et de la mer, l'idole de tous. Exact, la plupart des gens oublient la dernière partie. Bien joué. Question suivante. Qu'est-ce que moi, idole de tous, j'ai enterré dans le but de faire pousser les cocotiers? Des anguilles. Oui, je dois admettre que ça m'a un peu surpris quand c'est arrivé. Mais pourquoi remettre en question le résultat, pas vrai? Surtout quand le résultat est de délicieuses noix de coco. Voyons si tu trouves toutes les bonnes réponses. Dernière question, quel est le pouvoir de mon hameçon? Me confère-t-il la métamorphose? Oui, toi mon ami, tu as remporté le quiz Maui haut la main. C'est génial de rencontrer quelqu'un qui m'admire. De quoi avais-tu besoin? Peux-tu m'aider à enlever les débris de la plage pour libérer la pirogue de Vaiana? Bien sûr, donne-moi cette pioche que tu as là, je la rendrai aussi solide que mon hameçon. Et voilà, cadeau d'un demi-dieu. Maintenant, va libérer cette pirogue. D'accord, à plus. J'ai essayé tant de fois. J'ai voulu un chat. Que ton signe, c'est le vent doucement qui se lève et me réveille. Le bleu de l'eau. Na 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 na. Hop, tiens. Salut. Merci, c'est exactement ce dont j'avais besoin, nous pourrons bientôt partir. Ok, dégage la pirogue de Vaiana en aimant le débris derrière elle. C'est pas ça la pirogue? Ah, où on parle de ça? Et ça va être pratique pour mon village à moi. J'ai aussi des machins comme ça qui m'emmerdent. Bonjour.
Tu as réussi, loin d'être aussi incroyable que mon combat contre Tamatoa, mais bon, tu n'es qu'une humaine. Oui, j'espère qu'un jour je pourrai avoir autant de force que toi, être aussi cool que toi, faire dégonfler ton ego sumer. Avoir autant de force. C'est pas près d'arriver, mais c'est beau de rêver. Peut-être qu'un jour tes exploits seront presque aussi légendaires que les miens. Maintenant, va aider Vaiana avec son truc de poisson. Oui. Bien, les débris de la tempête sont partis et ma pirogue est prête. Tu vois cette ligne où le ciel rencontre la mer? Elle m'a toujours attirée. J'ai hâte de naviguer avec toi. Si tu es comme moi, tu vas adorer ça. D'accord, embarquons sur mon bateau et amusons-nous sur l'océan. Maintenant que nous sommes sur l'océan, j'aimerais que tu jettes un œil à ceci. Lorsque j'ai travaillé sur la pirogue, j'ai trouvé ceci coincé entre deux plans. J'ignore comment c'est arrivé ici ou même de quoi il s'agit. On dirait une carte, mais rien de mi familier. Voudrais-tu jeter un œil? Salut mamie! Je viens de voir passer la mamie de Vaiana. C'est une carte. Et donc, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je suis curieux de ce que tu as fait, mais ça a du sens maintenant. Cela montre les différentes zones d'océan près de cette île. Et les poissonneux seront plus loin en mer, mais regarde, une brume épaisse nous bloque la route. Nous devons trouver quelque chose pour nous aider à traverser en toute sécurité, quelque chose qui illuminera notre route. Explore les environs. D'après la carte, nous sommes au sud et la lisière de la brume, il semble qu'il y ait l'autre lieu indiqué. Ça ressemble au pied des rochers au nord-ouest et aux îlots au nord-est. Passé corallien au sud-est, navire naufragé au sud-est. Pourquoi je suis j'ai sentiment que tu vas trouver quelque chose pour éclairer notre chemin. Alors moi je veux bien, mais je fais quoi, je le dis à toi? Je suis prête à naviguer. Alors, on va aller vers le bateau. Bateau naufragé, ça marche pour moi. Rien du tout là. Salut. Pilier rocheux. Coucou. J'espère que je suis en train de louper un truc, mais Il est où? Il y a un truc là, mais Coucou. Je vais faire ce corallien. Ah ben, pour une lampe. Tiens. Coucou. Tu as trouvé une torche, c'est fantastique. Cela nous serait-il pour éclairer notre chemin? Retourne vers l'isère de la brume, je vais installer ceci sur la pirogue pendant que nous naviguons. Allons naviguer. Traversons la brume. D'accord, nous sommes prêtes. Cap sur la brume. La torche que nous avons trouvée illuminera la nuit et l'océan. Pas vraiment la nuit, il est midi 2. Hey. Pourquoi? Un thon albinos? Vache,
Clac, clac. Tiens. Tu as trouvé un poisson? Ça signifie que cet endroit est parfait pour réapprovisionner mon peuple. Merci pour ton aide. Si tu veux, je peux visiter ta vallée avec toi tout de suite. Il te faudra un endroit où habiter, un endroit qui soit familier, confortable, près de l'océan. C'est important pour moi, merci. Je vais naviguer jusqu'à l'île, viens me chercher dès que tu es prête. Alors, je sais déjà que tu vas vouloir installer ton truc à poisson là. Donc je vais te placer ici à côté. Flemme de marcher. Bonne journée à toi. Alors, j'ai 5000. Paye les frais et les constructions Picsou, construire une maison sur mesure. 2000. Oh putain, c'est pas cher. J'ai vraiment hâte que Vaiana soit au village. Partageons le goût de l'aventure. Nous avons beaucoup d'histoires à échanger. Par ici. Hey. Alors voilà, ceci est ta maison. C'est si beau, étrange, délabré. Bien, ça ressemble pas du tout à Motonui, mais j'adore explorer de nouveaux endroits. Merci de m'avoir mené jusqu'ici, je crois pouvoir t'aider. Fantastique. C'est bon de te voir, as-tu une question? Je suis curieuse, as-tu déjà navigué sur l'océan? Jamais, mais j'aimerais bien. Allez, bien sûr, l'eau m'appelle. Moi aussi. Quand j'étais petite, j'allais sur le rivage. Dès que j'en avais l'occasion, un jour, l'océan s'est présenté à moi. Ouais. Moi, c'est ce que ma grand-mère, Lala, disait. J'étais un bébé, donc je m'en souviens pas réellement. Waouh, tu es un très bon chef pour cette vallée. Un cadeau. Cracker stone et promélia rouge. T'auras une noix de coco. Comme ça, t'es pas dépaysé. Faut aller parler à Maui et je sens que je vais regretter d'avoir vendu mes ingrédients. Bonjour. Laisse-moi résumer, Vaiana m'a abandonné, moi. Elle est simplement partie. Pour aller dans un quelconque village. Tu peux y aller aussi. Hein? C'est ça. Tu penses que je vais juste suivre Vaiana comme un poulet domestique? Oh! Je ne crois pas. On s'en fiche, j'ai faim. La nourriture est excellente dans mon village. Je cuisine très bien, digne d'un demi-dieu. Pour m'en convaincre, tu veux que j'aille dans ton village, apporte-moi de la nourriture. Voyons si elle correspond à mes standards élevés. Y a pas de quoi. Au moins 3 étoiles, easy. Je viens d'en faire 4 à 5 étoiles.
Bon, ce sera plus easy quand j'aurai à nouveau des ingrédients à mettre dedans, mais... Je peux peut-être acheter de quoi faire des... Des buñuelos. Comme ça, j'ai pas besoin de me casser la tête. Ah non, il me fallait du... Du blé. Donc du blé. Qui me demande de faire une couche au poivron. Ah non, d'accord, c'est tous les trucs qui sont compatibles. Attends. Là, j'ai pas ce qu'il faut. Non plus, ça non plus. C'est encore moins. Bon, dans tous les cas, il me faut du blé. Bingo! Bingo. J'ai du bol. Je ne vais pas me casser la tête, il en a en stock. Raté. Bon, on va planter, de toute façon, ça va vite. Salut, mon ami! Waouh! Oh, oh. Ah oui, je voulais te vendre de notre coco. Content de te voir! Je peux te vendre. Ouais, je garde. Oh. C'est génial. Je me fais plein de toi-même. Écoute, je suis arrivé longtemps. Ça pose, je vais vite faire les revoir pour du fer. De toute façon. Je vais dire je m'arrêterai bientôt, mais en vrai, je suis pas encore à mon temps habituel pour ces jeux-là. Par contre, j'ai faim. Un brochet. Deux brochets avec d'un coup. Alors. Yes. Et je sais pas trop à quel point il manque beaucoup. Ah, t'inquiète. Mais arrête de caresser l'écureuil. Salut Lee, je veux inviter mon ami Mickey à manger. Oh, je vais encore devoir faire à manger. Tu m'aideras à tout préparer? Bien sûr. Oh là là, ce sera le dîner le plus succulent de tous les temps. Je veux préparer une bouillabaisse avec des produits frais de la mer.
Allons à la plage attraper des pétoncles, des crevettes et des palourdes bien fraîches. D'accord. Je t'avais déjà offert ta marguerite, là. Ramasser du bois. Je ne vois pas de zone. Ah si, là. Ah non. Apparemment, je peux essayer de faire une recette avec ce truc. Ça va emporter que dalle. Attends. Myrtille. Hop. Voilà. Alors, il n'y a plus de zone pour miner. Sur le festoc. Je suis tellement content de te voir. Est-ce que tout va bien? Parler de sentiments est aussi difficile pour toi que pour moi. Pourquoi ça? Pas si c'est important, pas si c'est effrayant, pas si c'est important. Ok. Je suppose que c'est logique. Tu ne pourras pas gâcher quelque chose aussi important. Il est facile de se fourvoyer en matière de sentiments. Comment parles-tu des sentiments, Lily? Preuve d'honnêteté. Je suis toujours honnête, c'est juste que les mots que j'utilise parfois ne reflètent pas ce que je pense vraiment. Comme la fois où j'ai traité Anna d'inconsciente pour s'être fiancée à un homme qu'elle venait de rencontrer. C'était pas du tout le bon terme. J'aurais dû dire impétueuse ou enthousiaste ou passionnée parce qu'Anna est tout cela à la fois. C'est quelque chose que j'aime chez elle. Oui, c'est quelque chose. Il faudrait quelques traîneaux de plus. D'accord. Permet, je prends de l'ail. Bon, est-ce que mon machin a eu le temps de pousser? Oui. Constamment violet. Bleu, bleu, pas d'intérêt. Hop. Alors, on va faire des bruinuelos. Pour Maui. Et j'ai envie de tester cette fameuse pomme de terre rouge. Avec du blé.
de l'ail. Non, on perche. Que j'ai des ingrédients spécifiques. I don't know. Nous verrons. Courgette au poivron, j'en aurais bien fait, mais j'ai pas de poivron. Retournons voir Maui. Des plats. Ah merde, putain, il m'en faut 3. Oh. J'ai pas fait gaffe. Est-ce que c'est obligé d'être des plats différents? Curieuse d'un truc, c'est est-ce que... Je sais pas... Par hasard, j'ai le temps de repousser dans le jardin de Wally. Absolument pas. Ce que je vais faire. Mon chat qui s'éclate. Ça va. T'acheter Ah oui, attends. D'abord te vendre ça, 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 ça. Ok. Et je vais t'acheter 3 salades. Yahoo!
je vais à sa boutique là. Tiens, salut. Tu les oignons, ça coûte cher, j'en ai acheté qu'un. Ça, c'est quoi? Colle ça, je sais pas quoi ça sert. Si je vais à ta boutique de la plage. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si c'était pas l'histoire de... Salut! Ah, et... Oh, bien. C'est quoi cette opiote? Oh non, j'ai pas encore la force pour les coquillages. J'ai au moins de quoi faire deux autres plats. Moi, juste une tomate. Beurre végétarien, il y a moyen si j'achète du beurre animé. Non, plus j'en ai encore un. Ouais, il manque juste un beurre. Ça en fout. Est-ce que je peux bazarder? Ouais. C'est pas celui qu'il me faut de toute façon. Amener ça à Maui et je m'arrêterai là pour cet épisode, je pense, parce qu'il fait faim.
Oh, je vais me faire craquer très fort. Bonjour. Cette nourriture est plutôt bonne. Donc dis-moi plus sur ce village qui est devenu le nouvel endroit préféré de Vaiana. C'est moi qui devrais diriger le village, mais je me bats contre l'oubli. Un danger mystique, j'en ai combattu un certain nombre. Des démons, des crames géants, des tempêtes, plein de trucs. Ne crois pas, regarde mes tatouages. On dirait que tu as besoin de mon aide. Tu ne sais peut-être pas grand-chose de moi, mais je pense que je serais prêt à visiter ton petit village, ça pourrait être amusant. Je vais m'assurer qu'il y a un endroit pour toi dans le village. Qu'il soit digne d'un demi-dieu. Et ouais ! Ouais, je compte sur toi. Je te remercie. J'ai le même prêt de Vaiana, hein. Faisons des paires logiques. Par contre, est-ce que j'ai trop payé ? Ça, j'en suis pas sûr. Ça me coûtait combien ce connerie? À quel moment eux vont payer en fait pour. Salutations, voisin! Oui, dans son passé, Moïse a longtemps vécu à la dune, mais quand il s'agit de sa résidence ici, la veille, elle ne lésine pas sur les moyens. Oh merde, 5000, je sais pas. Le soleil brille presque autant que mon argent. Je sais pas ce que je vais faire en faisant ça. Du sable. Intéressant. Sur ce, on verra pour avoir les 2000 qui nous manquent. Et encore, c'est pas 1500 que 2000. Dans un prochain épisode, continuerai à crafter du fer pour essayer d'aider Wally. Et puis à un moment donné j'aurai un peu à Dragon Age aussi. Si vous arrivez jusque là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok pour voir davantage de contenu. Sur YouTube, tout est rediff. Sur TikTok, un extrait chaque jour des moments sympas de jeux que j'ai joué précédemment. Et moi, je vais aller m'alimenter parce qu'il fait faim. Bye bye.